La Croix-Rouge française était aujourd'hui à Toulouse. C'était sa manière de participer à une journée mondiale en faveur des premiers secours. Il s'agit des gestes qu'un simple citoyen doit savoir immédiatement pratiquer en cas d'accident ou de malaise. Mathilde Laban, Jean-Luc Pigneux. Vous allez venir avec le talon de votre main, là, ici. Vous allez venir vous appuyer sur l'os qui est là, qu'on appelle le sternum. 100 à 120 fois par minute. Voilà, ouais. On pense qu'il n'arrive qu'aux autres, l'arrêt cardiaque. Pourtant, une personne en meurt toutes les 10 minutes en France, la plupart du temps devant des témoins puissants. Les premières minutes sont essentielles pour dire que la personne n'ait pas de séquelles derrière. Et puis, arriver à sauver la victime. Il faut mettre les deux mains et appuyer. Pendant longtemps ? Jusqu'à que les secours arrivent ou la machine dise arrête. Si tout le monde savait reproduire ces gestes, 3 fois plus de personnes pourraient être sauvées. Les bénévoles, ces héros ordinaires, sont là pour le rappeler, comme Colette qui a tout transmis à son fils et lui a permis de sauver un homme. Il a fait le massage cardiaque jusqu'à ce que les gendarmes soient venus et les pompiers. Et ils lui ont dit, c'est grâce à ce geste qu'il a pu faire, qu'il a su faire, qu'il a sauvé cet homme. C'est des gestes simples qui peuvent sauver, en quelques minutes, on peut sauver une vie. Mais ces histoires restent rares, car moins de la moitié des Français déclarent être formés. Pas obligatoire, l'apprentissage des premiers secours les angoisserait. C'est simplement un déni. Je pense que les gens pensent que ça peut arriver aux autres et pas forcément à soi. Je crois qu'il faudrait arriver à ce qu'au moins un membre de chaque foyer puisse être familiarisé avec ces gestes de premier secours. Pour se préparer et savoir réagir face au danger, une formation d'1 heure peut déjà tout changer.